Amis, téléspectateurs, chers internautes, il y a Congo Live Télévision, Biscanesso, Bozoami, Topesino, Mbote Malamu, et Mbote Mingi, pardon, et puis Mokolo Malamu, na Binonios. Alors, je suis très heureuse de pouvoir recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Lizer Mibanga, Oazabon Nangambu, il y a FCC, et Longo Naye, Torobeta Bongo Lissolo Italie, les arrestations, un peu, il y a quelques politiques, TikTokers, voilà. Et puis il y a deux journalistes qui sont arrêtés un peu de partout. Lobby Bakanaki, Mokwa Bapanzi Sango, Patrick Lokala, journaliste, Zabongo, Namaboko, il y a justice, Azana Parquet, il y a grande instance, il y a Gombe, mais jusque-là, ma raison au Bakangelie et Bani Nanouté, est-ce que le état de droit, Ezabongo, ma principe Nango Ezabongo respecté, la République démocratique du Congo. C'est la première thématique que nous allons devoir échanger sur ces plateaux, chers internautes. Nous allons jeter un coup d'œil sur la constitution de la République démocratique du Congo, la question sur la révision, les changements de la constitution refait encore place aux articles poussé par les politiques au bazar ma tendance m'a un peu confondu baso réagir par rapport il y a changement révision modification il y a constitution la République démocratique du Congo l'autre photo boyala qui bongondeko Joseph Kabila pour n'a pas changé constitution République démocratique du Congo mais les lots avec le président actuel est-ce que constitution et qu'on a et qu'on a la modifié et tout et qu'on a la bah qu'on changeait en haut alors grande ma joie je disais un peu de recevoir pour vous Moko il y a un cadre au sein de ces grands regroupements FCC pour recevoir bon au point de vue et nabango potoye bah amis téléspectateurs chers internautes il y a Congo Live Télévision Biscanesso Bozoami Topesino Mbote Malamu et Mbote Mingi pardon et puis Mokolo Malamu na Binonios. Alors je suis très heureuse de pouvoir recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Lizer Mibanga Oazabon Nangambu il y a FCC et Longo Naye Torobeta Bongo Lissolo Italie les arrestations un peu il y a quelques politiques quelques TikTokers, voilà. Et puis, il y a deux journalistes qui sont arrêtés un peu de partout. Lobby Bakanaki, Mokwa Bapanzi Sango, Patrick Lokala, journaliste, Zabongo, Namaboko, il y a justice, Azana Parquet, il y a grande instance, il y a Gombe, mais jusque-là, ma raison au Bakangelie et Bani Nanouté, est-ce que le état de droit, Ezabongo, ma principe Nango Ezabongo respecté, la République démocratique du Congo, c'est la première thématique que nous allons devoir échanger sur ces plateaux, chers internautes. Nous allons jeter un coup d'œil sur la constitution de la République démocratique du Congo, la question sur la révision, les changements de la constitution refait encore place aux articles poussé par les politiques au bazar ma tendance m'a un peu confondu baso réagir par rapport il y a changement révision modification il y a constitution il y a République démocratique du Congo l'autre photo boyala qui bongondeko Joseph Kabila pour n'a pas changé constitution République démocratique du Congo mais les lots avec le président actuel est-ce que constitution et qu'on a la modifié et tout et qu'on a la bah qu'on change en haut alors grande ma joie je disais un peu de recevoir pour vous Moko il y a un cadre au sein de ces grands regroupements FCC pour recevoir bon au point de vue et nabango potoye ba baza pour ou contre monsieur Lizer Mibanga Mbote mon avocat Mbote maman Estine Mbote na ba kongomani nyonso bazo tala biso na ngonga oyo Mbote na oyanga famille politique FCC Front commun pour le Congo Mbote pe na ba cadre membres militants ya oyanga parti politique PRP Parti de la Révolution populaire parti cher à Mouzé le roi de Joseph Kabila Mbote pe na yo merci mingi pour l'invitation na bandié te tolexa bon moment malamu Premier de Colézer Mibanga, alors sans plus tarder, Nalina Tunana, Boni Bino Mopazi Kuna, Balobie de Bozo Kanal Susupe, ma partie Nalino se Koufa et Kundama, Rekroma Zo Kanate, qu'est-ce qui se passe? Moutor le bac FCC Zo Kanate, c'est-à-dire Kazam Mouzo Azolanda actualité.
Nandini. Bokomona récemment marionnette sur Babengi de Koufaoul a roulé déjà pour l'actuel régime avec une initiative via dialogue. FCC et Télémélaki. FCC au Baki, moyen de dialoguer, ça t'est. Parce que tu dis qu'on dialogue dans un régime pour ça illégal. On ne peut pas dialoguer avec un régime illégal, un régime qui n'est pas légal. Alors, suite à FCC, FCC et Télémélaki ont Télémélaki dialogue, mais proposer qu'il s'il faut dialoguer, il ne faut pas dialoguer dans des konanga. Oh, oh, lelo aza binon de botindiye pour a combattre le régime en place fait abo mamba kongomani. Pour le bagemiso to tindi wonanga, n'osenga, naba o basa naba suffisamment de preuves, ma brandir en haut. Parce que, n'arobima dans l'hôpital, y'a tata mon zamboka, le bakin de vocabulaire, mon tata dina sima, y'a insurrection. Wana. Mais tout le monde est dans le rama pamba. Parce que tu sais que vous vous souvenez de Kabila, mais nous sommes toujours appuyés, toujours à peine à ce moment-là, et toujours approuvés des marches de Konangate. Parce qu'il ne faut pas vous conseiller à ce moment-là, si Mayamakila, c'est pas congolais. On les a bien fait. Alors, je vais vous dire. Mais nous sommes qui, pardon de vous dire, nous sommes qui, FCC, Joseph Kabila, et qui sont bon, parce que nous sommes qui, nous sommes qui, bon président, il y a Séni, nous de Joseph Kabila. Et qui sont qui, nous sommes qui, Kabila, nous sommes qui, nous sommes Kabila est ancien président de la République. Je tiens à vous informer que Azo joue dans le droit de à 10%, ce n'est même pas 100%. Moutoz est capable, Moutoz est une institution, Moutoz est habilité, il y a un peu qui s'appelle Okangem, ce n'est pas un peu de ce qui est ici, c'est-à-dire que c'est incompétent. Mais êtes-vous sûr que vous avez dit que AFC, au départ, ils ont dit mouvement moro, purement politique, Alliance Fleuve Congo. Mais il y a comme un mouvement politique à branche armée, à s'allier à M23. Et ça, une des pratiques, le FC, tout ça, jamais qu'on accepte qu'on prouve. Il vous souviendra que, na 2000, si ma mémoire est bonne, en 2022, un certain 23 juin, entre 2022-2021, FCC, ça a dit marche. La marche, FCC, à cela qu'ils ont dit marche, il y a un respect d'abord, il y a la Constitution. On est au-dessus de mon violé, vous souviendrez qu'il y a une histoire qui majorité, de façon morale légale, dans le moyen de corruption. Et puis tout ça, il marche, car il y a vous soutenir et faire des choses au Est contre M23. Alors, ceci prouve à ce sens que Joseph Kabila Kabange n'est pas derrière M. Nanga. M. Nanga a revendiqué le Rounaï au est-ce que vous savez que le président de la République est la personne la mieux informée? Mais je suis sûr que le président de la République. Comment douter? Comment douter dans mon délire? Parce que c'est lui qui a dit. On dit que le président de la personne la mieux informée. Et casse-moi. Mais dans l'émission, on va tout n'arrêter, ça a l'air d'en avoir à éviter. Comment Moutaz a la mieux informée, mais c'est l'air d'en éviter? Tout aussi, je sous-entends qu'il peut être la personne la mieux informée, mais aussi la personne très mal informée. Parce que en tant que Tata Mokondamboka, yom tuebi nyos, ozana de miyap, aner, nyos nan mboko no. Mais salaire na omoko ya chaque fin du mois ou ebite. Donc, si j'entends que oui, zara ramon. Salaire wane za, c'est un faux débat d'ailleurs. Salaire est un problème politique. Le problème est important, est la sécurité, il y a Bakongoman. Exactement. Alors, je tiens à vous rappeler que Félix Tshisekedi, le président. Président de la République, chef de l'État, pour les autres, mon canton, Molo, Fatigote et tout comme ça. Elle a prêté qui serment le 24 janvier 2019. Kabila a donc négocié avec 2 350 410 km², avec 145 territoires, aucun territoire n'était occupé. Et l'autre, c'est le Congo, ils ont un dame. Pas plus tard qu'il y a, là, je crois, 2-3 jours, de Monisousou, insurrection, M. Sem, dans la partie est. Alors, on se pose des questions.
Congolais a-t-il vraiment la priorité dans mis sur le continent ou pas? Alors, moi, je pense mais, que. Mais selon moi, je les pense que. informations, Kabila Teka Kimboka na Bakor. Les habillés européens ont mis tout à Teka Kimboka. Bon, la saison acte de vente, à Teka Kimboka, on ne pas nan, peine à combien? Moni. Mais si on a eu subi que Ndoko Chilombo, autres autres dans la partie est, et ça par rapport à Bakor, c'est un peu de Kounaï Kagame. De Babassi, c'est un quai de poisson. D'accord, président Félix, ancien président Bassinia qui n'a pas de problème. Babassi, vous voyez, dans 2021, il y a eu des accords économiques, je me rappelle. Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est qui l'accord économique? Kagame, la partie est, plus précisément, je crois, à la province du Sud Kivu, où ils ont signé des accords, tant autres. Or, on a vu ce qu'il y a Sakima et comme a raffiné dans Rwanda. C'est ça sous-entend déjà que R-Réseau a raffiné qu'on a meurt de réseau de Kalabuna. On ne bénéficie en rien. A signé encore Moussousou, Rwanda Air, compagnie d'aviation rwandaise, et bien encore survolé, surtout on a vu ce Congolais. Pendant ce temps-là, Congo Airways, ben nous quoi, est en faillite. Et il y a aussi d'autres accords. Et vu que c'est séparé qui ont queue de poisson. Voilà pourquoi nous vivons ce que nous vivons actuellement. Et le peuple ne fait que subir l'incompétence de l'actuel régime. Je dis bien, allez vérifier ce que j'ai dit, je n'invente rien. Alors, c'est pour vous faire voir que lorsque vous avez l'ambition comme un jour chef de l'État, président de la République, il faut que se mette en tête que Naro Kamambo Kapoyo sur un programme. Un programme réparti en 5 ans. Il faut rappeler que un des hommes président de la République n'a qu'un passif, n'a pas actif, il y a régime passé. Ils ont le droit de monter au foot là, ndao. Donc, ndao nous au côté, bah foot est là déjà na katikuna. Malgré nous, il faut na peser on a goût na ngai, na chaper dirbo, na changer rideau bo, na chaper plafond, bah mina bosser comme ça. Mais chose grave que nous remarquons avec l'actuel régime. Moindre pépin, c'est le 18 de Kabila. Moi, je préfère. Mais 18 ans, c'est quand même beaucoup. Ceux qui, pendant 18 ans, vous avez détruit réellement le pays. Nous n'en disons pas. C'est tout à fait mais normal. Pourquoi il parle aussi des bienfaits de Kabila? Parce que pendant 18 mais, ans. Mais bienfaits à Kabila, les amis, Nathan. Oh, Kabila nous a légué Congo Airways. Mais comment Airways, on va venir de pas pour son Bela Kibadoua? Non, mais maman, bon, tu sais qu'on fait les amis, c'est ça le problème. Au pouvoir en 2019. Mais nous, on voyage avec Congo Airways. Mais c'est que vous avez voyagé avec Congo Airways. Non, il faut comprendre maintenant, c'est ce qu'on dit, hein, la continuité de l'État. Et ça, c'est que comme aux héritiers locaux, il faut qu'on boycotte. Non, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Le budget va être à 16 millions. Ça, nous avons car il y a la famille présidentielle. Non, il faut entretenir les avions. Mais la famille présidentielle est bénéficiaire, Nani. Ville proche, c'est qui dit, c'est une association dans le moment de transport. Je ne parle pas du transport. Les associations de transport national. Je parle ville pour ça qui nous aide à l'association de transport. New Transkin, Kindal. Mais il y a eu ce projet zéro trou. Mais il manque. Ma boule, ma boule, ma boule, ma boule. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement, un nouveau gouverneur, j'allais dire. Daniel Bumba. Donc, on a les problèmes. Bon, tu peux se dire, bonne chance, mais laissez-moi vous dire que Bandele, Bandele, ma bête. Abani ma bé ma casse. Abani nani. Parce que au azo sala au il faut la casse on attend moi là. Ne langande ba kira ka niveau. Ne langande ba kombola ba prince. Ne langande ba meka ka costa là non. Mais attends moi langaza qui peut être na possibilité on a. Non, c'est une possibilité. Il y a ça là té il fallait qu'il installer son gouvernement tout non, ça. Non, tout mon qui est là qui installé na hôtel ce qui il donne. Tout mon qui est na ba réunion mi ou là ba pongi n'habité. En tout cas, tu peux se faire la bonne chance. AFC, c'est bon, Dimaké. Binon de Batouza, à la cause, il y a destruction, il y a Mboka Ovan. Parce que pendant 18 ans, le lot Maram Dozo vivra au Eza, au Binon Botique. Mais sinon, il alors, pendant 6 ans, Kaka, 6 ans, Kaka, régime actuel, et suit. C'est pas facile, il y a Robin Saboko, et Kota qui n'a qu'à Tchalboulou pendant 18 ans, n'a 6 ans qu'à Bobisan. Non, monsieur Lomon, ma mestie. Tout à l'heure, président, la Mussoumo, troisième président, la Mussou, Laurent Désiré Kabila. Kabila le père. Aïe a coûté beaucoup complètement par terre. Vous avez tout pris. Vous étiez parti avec tout. Mais en aucun jour, Mouzé, Laurent Désiré Kabila, s'est plaint du 32 ans de Mobutu. En 3 ans et 6 mois, pour la vie va changer, madame Boko. Nous avons monnaie à Sika. En 3 ans et 6 mois. Et ça qui n'est pas secteur. Dans Zoé, Misséo, ma mestine, dans 3 ans et 6 mois, un franc congolais est égal à 1 dollar à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila. Allez vérifier les archives.
dans 3 ans et 6 mois, tu développes l'agriculture dans le buisson. Jusqu'au point que tu formes un hybride. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a sa propre marque de fabrique d'haricots qu'on appelle les petits pois. C'était grâce à M. Laurent Désiré Kabila. Petit pois, on va dire qu'on les sous. Ils ont les sous. Continuité de l'État. Non, mais continuité de l'État. Quand tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit. Vous avez dit que c'est un béton, Fatih Béton. Mais ça, on va dire qu'on a béton. Non, mais Fatih, il y a après. Petit pois, on va dire qu'on a béton. Petit pois, il y a un pois, il y a un pois bien avant. Dans 3 ans, il y a M. Laurent Désiré Kabila. Secteur de transport et comment qui régulariser. Moko, Liboso, Misa Tunasim. Et discipline côté de la secteur Nios. Qu'on lève un temps soit fait pour retrouver honneur, n'est pas la dignité. Le fils est venu, il n'a pas incarné la vision de son père. Mais le fils n'a pas été accompagné. Le fils n'a pas été accompagné, je vous dis. Le fils prend le pouvoir, nous tous, nous dans des concepts où le pays était complètement divisé. Aujourd'hui, rebelles, oh bah Tarnissa Makila, ils sont avec M. Tshisekedi aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba était soutenu par les Ougandais. L'Ougandais était son parrain. Ils ont paralysé la partie nord-est de la République. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas? On va aborder les sujets. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Très bien, on va aborder la première thématique que nous avons retenue, les arrestations. Il y a Bakoroman un peu de partout. L'autre, tout le monde qui bongo, Bakanga qui Ndekomoko, TikTokez, Moko, Aza qui bongo arrêté. Aza déjà libre. Et Lelo, l'aube, c'était hier qu'on a arrêté un journaliste. Aux causes et arrestations, jusque-là, Nanoye Banité, Nanba dévoilé en haute pourquoi. Azaki arrêté, il était arrêté comme un voleur. Nanda kunaye, tout le monde n'a pas vidéo, les vidéos, ma vidéo est sur Kilaki Bongo, sur les réseaux sociaux, le lingue, Ndeko Patrick Lokala, Azaki Bongo arrêté. Alors, monsieur Lézer Mibanga, est-ce que le lot de Koloba était congolais, azo vivre, malam, le lingue sengeli, namboka naena, kimianios? S'il faut arrêter une personne, bazo kenango, nan le lingue sengeli, est-ce qu'aujourd'hui, l'état des droits, ma principe, nous avons bon respecté la République démocratique du Congo. Ma majesté nous a pas simulé. Nul ne peut ignorer autre chose vivre dans le Congo. Dans le temps de Kala, dans le cas de Baba régime, il y a une interpellation. Il y a interpellé, il y a aussi justifié aux zones. Mais le lot régime, c'est que des mimés, ils sont sodomisation. Je suis moi dans mon bal. Ok, cachot, pour ne pas que moi dans moi ici. On n'a pas de bibi ici. Peut-être qu'on a régime, mais on n'a pas de bibi. Non, non, ceux qui ne sont pas de bibi, ça. Pas de bibi, ça. Après, on a déjà qu'il y a un peu de bibi. Non, mais attention, mais tout le monde. Tout le monde a wapi un modèle à régime. Patrick Lokala Salini. Mais infraction, ça fait pas qu'on m'a moutouté. Ça, on doit le savoir parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bah, on a abonné moutouté. Il y a un peu de Toyoki. Bazo reproché propagation des faux bruits. Faux bruits, il y a Nini. Alors, Nini, il dérange ma teuille à mon compte. Mais qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Alors, Nini, local, par moment, il déborde. Qui ne sait pas? Nous sommes tous les gens qui ont dit que nous avons 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 dit que ça pas fait. Ce que nous avons dit, c'est que Félix a été en France, dans la 19e semaine en francophonie, nous avons humilié. On a débordé. Et ça pas fait. On a été humilié. Nous avons humilié. Le président Sarkozy n'a pas fait allusion à la guerre de l'Est. La raison pour laquelle le président a pris ses bagages à Longwe, mais on a la Sabine en quelques mois. Mais cela ne veut pas dire qu'on était humilié. C'est une humiliation pour nous. C'est-à-dire que la diplomatie du chef d'État n'est pas agissante. C'est une humiliation. On a toujours créé que mais qui ne sait pas, qui ne sait pas que la France n'est pas derrière nous? Qui ne sait pas? Si la France n'est pas derrière nous, et pourquoi les chefs de l'État doivent-ils garder des relations amicales avec la France? Il vous souviendra qu'il n'y a même pas plus tard, quelques mois, il a été reçu, et ses enfants, et sa femme, mais le président de la République n'est pas rancunier. Il n'est pas rancunier. Non, non, en question, donc, ici on ne parle pas d'être rancunier, mais ici on parle d'avoir des positions fermes. En tant que chef de l'État, j'ai tendance à vous rappeler que il est le représentant de tous les Congolais. S'il est humilié, c'est-à-dire vous et moi, on a été humiliés là-bas. Alors, comment on dit au chef de l'État d'arrêter parfois avec des discours pleurnicheurs? Tous les jours, le Rwanda nous agresse,
il faut prendre les dispositions idoines. Quelles sont les dispositions idoines? Équiper nos armées. Soldats, vous en avez motivation. On voit aujourd'hui ce qui se passe avec le service national. Oui, c'est bien, c'est à louer. Mais faites aussi autant pour l'armée. Et, mais tapez la main sur la table. La République démocratique du Congo vivra, même si on n'a plus de bonnes relations avec la France. Parce que nous sommes en nous seuls un scandale géologique. Nous sommes les premiers pays producteurs du cuivre. On a ici, dans les bassins du Congo, juste avec notre fleuve, on peut alimenter le Tchad, on peut alimenter le Niger, on peut alimenter la Libye. On a tous les potentiels. Aujourd'hui, si nous frappons sur la table et que nos ressources minières ne seront plus dirigées vers l'OTAN, vers l'Occident, vous allez voir les institutions des bottes, nous vont fermer. On va nous supplier. Vous voyez? Et on pourrait même, pourquoi pas, se tourner vers la Russie, par exemple. Pourquoi pas? Mais je me demande, et je comprends une chose, c'est parce que l'actuel régime, les gens qui entourent Félix Tshisekedi sont liés. Ils ont tellement investi en Europe qu'ils craignent qu'une fois qu'ils osent tourner le dos aux Européens ou soit à la communauté internationale, leurs biens seront gelés. Voilà pourquoi ils ont une marionnette. Et ce qui fait mal. Congolais ont fait chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais tous les gens à les rendre nous agresse. Et pour ce moment, ministre, ministre. Mais c'est la première ministre. Et Congo, la ministre de la Défense. Bon, nous savons la boule. Mais Congo, ils ont le col à Mboka Moko, Bamboke Belé Zobounissa. On a le bakou de te qu'ils ont le col à Bon. Ils ont le col à Nessio Boy, Bate Belé, Sko Bantouré, Bazo Bounissa. Mais c'est pas facile. Il faut crier. Maman. N'arrive pas à être mis à genoux. Parce qu'ils ont été préparés pour ça. Parce qu'ils ont un leader conscient, Monique. Vous êtes passé na Mbokonziwana. Est-ce que vous avez eu le temps de préparer Bien sûr. Mais c'est réellement. Vous avez préparé. Réellement. Kabila Zobima a tiki pouvoir. C'est qu'elle fait ce qu'elle dit, Mbokonzi. On atteint bien le 24 janvier. 2019, Europe était serment. Directeur ni les a occupés. Mais il y a eu des accords. Kabila a signé des accords, selon les accords. Kabila a signé des accords. Brandissez-nous le document que Kabila a signé les accords. Ils vous diront l'accord de l'Émirat. Brandissez-nous les documents. Brandissez-nous les documents. Et c'est pour vous faire voir que ça fait mal. Lorsqu'on parle du Congo, on voit qu'on a au sommet, ou soit on a des personnes qui nous dirigent, qui n'ont pas conscience du problème que vive la population. Et ça fait moins très mal. Liberté peut-être d'expression, ils ont la libertinage. Liberté de procès dans les sous. Parce que tout le monde a bongo, tout le monde, mais c'est un journaliste, peut-être opposition, tout ça, par moment qu'on déborde. Aller un peu plus loin. Nous sommes estime parce que tant nous sommes au coup de temps, on a risque. Nous sommes des victimes. Des victimes. On reçoit des messages, des menaces. Tu es bien d'accord, tu es bien d'accord, tu es tout bien d'accord. Ce qu'on est bon, on a la cache. Des menaces comme pas possible. Mais puisqu'on a choisi la bonne cause, c'est de défendre le peuple congolais. Et ceci met. Rend ce régime mal à l'aise. Selon eux, on est tenté de les déranger. Il vous souviendra, il y a certains journalistes, John Lungi, là. Il est où? En exil. Beaucoup sont partis. Dites-moi un peu. Est-ce que le fait seulement de dire la vérité fait de nous des ennemis de Tshisekedi? Non. Est-ce que nous sommes tous appelés et aux anacamoro politiques? Donc, si vous avez des PST à la Rwanda, en tout cas. Hein? Non, ce n'est pas correct. Nous, moi ici, j'ai failli être arrêté parce que j'ai dénoncé la force du progrès. Moi, aujourd'hui, les gens me donnent raison. Les gens me donnent raison. Que force du progrès, c'est qui milice. Mais quand on dénonçait, personne ne pouvait croire. Non, Boulinet, c'est qu'il était Bozaba haineux. Moi, aujourd'hui, où sont les faits? Et comme je l'ai toujours dit, les temps finiront par donner raison. Oui, les temps finiront par donner raison. On va changer et le chapitre. Et la liberté d'expression ici au Congo, ce n'est que des faits. Ce n'est pas une réalité.
car nous ne parlons pas, nous ne vivons pas cela. Il y a des gens comme les Seth Koukoun qui ont arrêté. Mike Moukebaye, arrêté jusqu'à présent. Mike Moukebaye, qui ne sait pas. Seth Suko Yepsangai. Il y avait un certain moment, une TikToker, si je peux dire ainsi, Denise du Social. Certes, elle a été arrêtée pour autre chose. Alors, il y a des réseaux sociaux. Pouvoir n'a plus soba l'ouba. Yo moussoye, karamou noronao. Yo moukongo, karamou noronao. Mais on va changer rapidement de chapitre. Je tiens à rappeler que je suis avec M. Eliezer Mibanga, Azabongo, Nangambo, il y a FCC. Alors, nous allons changer de chapitre. Je suis avec cette question. Ozozonga, Bongo, na table. Likambo et Tali Bongo, constitution, FCC et dirigeant Boka Oyo. Lelo, ils sont pour ou contre changement, révision, ton modification. Il y a constitution la biso parce que bandeko il y a union sacrée bazo tikate ko rappeler biso que constitution zo bloqué bongo makambo ebele na mboka makambo ebele moi salama ezate pona constitution na biso oyo batiki le biso du coup il faut ezala bongo changer to zuka ka il y a exemple car il y a président de la république sur papier selon Augustin Kabuya sur papier ezala bongo 5 ans mandat chef de l'État mais en réalité le chef de l'État travaille que pendant 3 ans ezala quoi 2 ans wana il faut mettre en place les institutions tout ce qui va avec alors constitution la bisozo bon ko bloqué maloba ya makanisi voilà il y a FCC to ya ndeko ezala ezala bongo lolenge kani changement modification révision. Non, autant que le roman rapidement. Allez-y. Dans un article 218 de la Constitution de la l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après libération, au conseil des ministres, 3. À chaque membre du Parlement, ainsi de suite. Ceux qui nous suivent peuvent continuer. Je prends d'abord le premier point. 1. Au président de la République. Donc, tiens, tout le monde a besoin de la TV, besoin de la révision, tout le changement en haut, les initiatives, j'attends un peu. Non, mais président, lobby, non, le côté, si. Ça, non. Alors, non, bah, il a... moi, je vous dis, allez-y. Devant la diaspora congolaise vivant en France, alors, bah, qui est conscient, oh, comme obsolète, conscient, bah, belligérant, il mettra en place une commission qui va étudier. Oui. Sur la possibilité des choses. Donc, c'était déjà, un souhait exprimé. Ça a pris du temps, je me rappelle. Ça a pris du temps. Alors, Madame Estine, il faut savoir en politique. Jusqu'à là, président, attenant une commission, En politique, il y a ce qu'on appelle des ballons d'essai. Attenant une commission, mais, bazou le belango déjà, on a un petit toilettage, lavage de cerveau, on a une population, et qu'on y a un message en haut, on a une classe politique actuelle, et qu'on appréhende un message en haut. C'est ça. Mais je tiens à dire aux Congolais ceci. Constitution, tu es un petit peu, tu es un peu comme ça, Congo, Allemagne, Afrique, dans la Kagabiso. Constitution, tu es un petit peu, qui est que ma promesse n'est pas la campagne, et quoi, 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 dans notre université, la Kagana, en Bandaka. Tire l'eau. Constitution, tu es un petit peu, et bien sûr, améliorer le social, et Congolais. Mais boni, boni. Et puis, je me demande. Mais Constitution, ça quoi empêcher, y est. Améliorer le social à Congolais, à Salaba Marambo et Sengeli, parce que sur papier, Augustin Kabuya a révélé que Tata Mokosa Koti en fonction, mais a retravaillé que pendant 3 ans. Il y a mis ça comment achever. Moni, Augustin Kabuya, maintenant on peut se conseiller. Parce qu'il fait la honte de l'UDPS. On sait voir que l'UDPS n'a pas de cadre. On sait voir que l'UDPS ne s'est pas préparé pendant qu'il était dans l'opposition. Comment un monsieur comme Augustin Kabuya peut paraître comme s'il n'avait pas sa tête sur ses deux épaules, comme un tonneau vide? On veut vous faire comprendre que non, c'est le temps qui est imparti à réaliser le programme. Non, c'est faux. On a connu un président en Tanzanie, Mangifoul, qui a réalisé des projets, n'est-ce pas, il y a 4 ans. Mais pourquoi vous voulez nous mentir jusqu'à ce point? Et il y a un autre qui a fait le ticket. Et là, qui n'a pas connu. Avec la conscience, on était que non, t'en as rien, vous avez beaucoup. Maman, le Cambodge est simple. Sauf que vous avez besoin de pas démissionner. C'est beaucoup plus simple. Pas démissionner. Comment se fait-il constitution Oyo Bango, défendre en 2014. Il y a des vidéos.
Le professeur Mbatt est en train de dire que c'est la meilleure des constitutions. Kabila a changé la constitution, c'est ça que ce mot qui tourne. En 2014, 2015, il a défendu en haut. Il a mis pour défendre la constitution. Et le premier, il m'a dit qu'il ne faut pas changer. Non. Moi, je pense que le problème est ailleurs. Félix Tshisekedi a prêté serment au mois de janvier 2024. Son programme était basé sur 6 axes. Entre l'emploi, la santé, l'enseignement, les sociaux et tout qu'on sort. Et jusqu'à présent, je ne pense pas que c'est la condition qui empêche à M. Félix Tshisekedi de nous remettre Mounaganda. Arrêtons de faux fuyants. Monsieur, si vous vous sentez incompétent et dans l'incapacité totale de gouverner, carrément démissionnez. Parce que on ne veut pas faire du Congo un royaume ou une ou un empire. Dites-moi un peu. Humiliation, tu vas voir chez les autres salons. Consomme tes autres, permettre tes autres pays. Et pourquoi, pour améliorer le social des Congolais, il faut trouver des faux fuyants. Et puis, Mara Moisson, il y a un peu de temps, il y a un peu de l'élection. Consomme tes autres, permettre tes autres, il y a un temps pour nommer Premier ministre. Exactement. Mais que citoyen, maman, il y a évité que Nathan Wana, l'Union sacrée, va gagner les alakis. Il y a ma poste. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que ma cacique, il y a union sacrée, entre bâti. Maintenant, il a ma poste. Et moi, je sais que, dans ce moment-là, il y a un premier ministre, père, il y a un gouvernement. La preuve, il y a d'autres qui sont lésés. Dans la campagne, il y a un fonds, il y a un monde qui pensait être assisté par l'union sacrée, mais il y a un fonds, 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 il y a un fonds. Et d'autres n'ont pas été même récompensés au gouvernement. Alors, il faut arrêter de mentir. Très bien. Ensuite. Parce que, vous savez que d'abord, à tout le temps qu'on a beau à Salagina, je crois que ma mort est bonne en 2022-2021. Normalement, il peut être même poursuivi. À ça qui est actif. Changement, basculation, il y a majorité. On ne peut pas corrompre jusqu'à ce point. Violation grave de la Constitution. Comment un texte que vous n'arrivez même pas à respecter, vous voulez encore changer? Donc, le qu'est-ce qui rassure que Oba-Rocha et Sikana en respectant? Ne respecte pas la Constitution. Même pas ça. C'est un monsieur qui ne respecte pas ses engagements. Je suis désolé. T'as en chuté la question parce que tu l'as dit vraiment, Gonga, moi, Evelé. Les lois constitutionnelles, est-ce que ça permet à un sénateur à vivre? À Zonga Bongona pouvoir? Nulle part. En tout cas, j'aimerais en tout cas que qui le veut, praticien de droit, amoureux des notions juridiques, professeur d'université, va vous contredire à la plateau haute. Aucun dispositif ou aucune disposition constitutionnelle, ou encore moins aucun texte juridico-légal, interdit à M. Kabila de se présenter comme étant candidat à président ou, dans tout le, ou à tous les niveaux de son choix. Mais c'est déjà un sénateur à vie. Il doit revenir encore pour faire quoi? C'est un titre honorifique. Je donne un exemple. Vous avez fait vos études, vous vous spécialisez, vous obtenez un diplôme en DEA. Devenez professeur des universités. Alors, on vous octroie un titre. Vous êtes professeur ordinaire. Au petit cours, à un moment donné, à cause du poids de l'âge, il faut qu'il retraite. Or, au retraite, on te décerne un titre honorifique qu'on appelle professeur émérite. Mais il se peut que, peut-être dans le domaine de la santé. Et les lots, qui les a confrontés dans le virus Moroboué. Alors, on va faire appel à ma mestine. C'est elle qui maîtrise bien ce domaine. Alors, eh ben, quand vous revenez, vous renoncez à votre titre de professeur émérite. Et vous revenez continuer les recherches. Dans le lot, tu as la paix au Lamouki. Et c'est un titre honorifique, comme je l'ai dit. Tu as la paix au Lamouki, tu as la paix dans l'élection 2028, Ndeko Félix et Ndeko Joseph Kabila Zongi. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Nous sommes à la fin, chers internautes. Et on se verra prochainement pour un nouveau numéro. Merci beaucoup à l'équipe technique. Ciao.